Seigneur, shalom à vous. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom à l'Église. Voilà, bien-aimés, shalom encore. Je voulais dire shalom à tout le monde. Nous sommes dans la joie d'être là encore ce matin. Ce matin, nous sommes encore ensemble pour précéder l'aurore. Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté, que Dieu soit célébré. Alléluia, merci. Merci, 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 merci. Shalom, ma sœur, shalom, mes mamans, mes papas. Je vous dis shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Voilà, donc il y a des mamans qui sont réveillées. Je comprends que ce sont des bébés qui vous ont réveillé. Alléluia, shalom, shalom, maman Hélène, shalom, maman Archange Anaël, shalom maman Nicole, shalom qui encore. Donc voilà, donc nous sommes déjà en direct, nous voulons déjà commencer. Il est déjà 6 heures, l'heure de notre rendez-vous, le rendez-vous avec le ciel. Voilà, shalom, shalom, shalom maman Clara Kalumbo, shalom encore, shalom, shalom, voilà. Donc nous disons shalom et nous partageons la vidéo. Commençons déjà. Shalom, papa Gauthier. Donc voilà, commençons à partager la vidéo. Nous allons partager cette vidéo déjà. Si tout le monde peut partager la vidéo, ça sera une très bonne chose. Donc nous sommes là. Nous attendons que les autres aussi puissent se connecter pour que nous puissions décoller ensemble. Shalom, 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 shalom. Shalom à ceux qui sont revenus du vacances. Voilà, shalom, maman. Johan Kabedi, shalom Didier de Jésus, voilà, shalom, 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 voilà. Donc on partage la vidéo, papa Joseph Boitou, voilà. Donc shalom, nous sommes en train de partager aussi la vidéo pendant que nous parlons, nous partageons la vidéo. Voilà, shalom, 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 voilà, shalom maman Nadine, shalom, shalom, shalom. Voilà, shalom à vous. Shalom maman Mimi, Kofi Biselele. Shalom, shalom encore. Donc nous disons shalom à tout le monde. Nous sommes en train de partager la vidéo. Donc voilà, Dieu a permis que ce matin nous puissions nous réveiller. Shalom à maman Sylvine Goy. Voilà, papa Gauthier partage déjà la vidéo. Donc fais comme papa Gauthier, partagez déjà la vidéo. Invite une personne à rentrer. Merci papa Boite aussi. Lui aussi l'a partagé la vidéo. Maman Nadine aussi a déjà partagé. Shalom, shalom tout le monde. Shalom MCK, MCK, MCK. Shalom encore. Voilà, shalom, shalom, shalom. Donc tout le monde est connecté maintenant, je crois. Oh, nous sommes. Oh, ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc partageons la vidéo. Maman Hélène a partagé. Maman Joanne Kabedi aussi a partagé, je crois. Donc voilà, donc nous sommes en train de partager la vidéo avant que nous puissions commencer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Donc j'attends que nous puissions arriver à 5 minutes, comme ça je vais commencer. Donc là je dis encore shalom à tout le monde. Shalom à ceux qui viennent de se joindre à nous. Shalom à maman Marcy Makengo Mayemba. Shalom, shalom et bonjour. Voilà, donc shalom et bonjour. Shalom ma sœur Dora Kitenge. Donc voilà, shalom Sarah, Mata, maman, que Dieu vous bénisse encore. Shalom, shalom à vous, shalom à vous. Shalom à tous les précédents d'Aurore. Donc voilà, donc shalom à nous qui sommes là ce matin pour passer des très beaux moments dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ça sera un très beau moment. Un très beau moment dans la présence de Dieu. Shalom encore. Shalom encore, shalom encore, shalom à qui? Voilà, shalom encore, qui est en train de se connecter maintenant? Et voilà, continue à partager la vidéo, continue à inviter quelqu'un et qui s'est déjà réveillé et qui n'est pas encore connecté. Invite-le à se connecter sur ce programme qui change la vie des gens. Oui, shalom maman Marcy, shalom encore, voilà, donc nous sommes là, nous sommes dans la joie d'être. Shalom maman Nathalie Lotema, aujourd'hui tu es un peu en retard, voilà donc shalom, shalom à tout le monde. Nous sommes là dans la présence de Dieu et nous allons retrouver là où nous étions arrêtés hier. Hier, on était en train de parler de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle,
un thème qui est très important. Et aujourd'hui, je dis, nous allons parler de cette manière d'avoir l'autorité et de régner dans la vie. Donc, il ne suffit pas simplement d'avoir l'autorité, mais il faut savoir utiliser ton autorité pour que tu règnes dans cette vie. Donc, cette manière d'avoir l'autorité et de régner dans la vie. Pourquoi je parle de l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que vous vous souvenez que nous étions en train de parler de processus de la délivrance. Et nous avons dit, dans la délivrance, il y a une chose qui est très importante. Nous devons connaître notre identité. D'accord? Nous devons connaître notre identité et pas simplement connaître toute son identité, mais aussi connaître son autorité. D'accord? C'est pourquoi nous avons dit, nous allons parler de l'autorité spirituelle. Parce que pour démolir la forteresse que l'ennemi s'est construite dans ta vie, tu as besoin de l'autorité spirituelle. D'accord? Donc, pour démolir la forteresse de l'ennemi, pour démolir les bastions, pour démolir la maison que le diable s'est construit. Donc, cette maladie-là qui revient dans ton corps, c'est parce qu'elle s'est déjà, construite une maison dans ton corps. D'accord? Donc, à chaque fois que tu le chasses, la maladie va partir, mais un moment ou l'autre, la maladie revient. Pourquoi elle revient? Parce que tu es devenu sa demeure. Donc, l'esprit de la maladie habite en toi. Donc, l'esprit de la maladie a une maison dans ton corps. C'est pourquoi quand tu chasses même le démon, tu n'aimes pas utiliser le mot que le sida puisse partir. Parce que pour toi, le sida ne peut pas partir. Donc, vous êtes lié jusqu'à la mort. Simplement parce que tu ne connais pas encore l'autorité que tu as reçue. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre la notion de l'autorité. Je dois apprendre aussi à prêcher lentement parce que c'est aussi un exercice que je suis en train de faire. Donc quand je parle, je suis en train d'apprendre de parler très lentement pour que tu puisses vraiment très bien comprendre la chose que Dieu est en train de te dire. Donc nous parlons de cette manière d'avoir l'autorité et de régner dans cette vie. Je disais quoi? Je disais que pour chasser le démon, nous avons besoin de l'autorité spirituelle. D'accord? Donc pas simplement avoir l'autorité spirituelle, parce que l'autorité spirituelle, nous en avons déjà. Mais comment l'exercer? Comment régner avec son autorité? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. D'accord? Donc c'est ce que nous sommes en train d'apprendre, bien aimé dans le Seigneur. Pour démolir la forteresse, nous avons besoin de l'autorité. Pour retirer à l'ennemi le droit juridique qu'il avait reçu, que ce soit le droit que nous lui avons redonné, que ce soit le droit qu'il a pris de nos parents, nous avons besoin de l'autorité spirituelle. Et nous avons dit encore, pour chasser le démon, nous avons besoin de l'autorité. D'accord? Donc c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous voulons parler de l'autorité spirituelle. Hier, j'ai essayé de donner la signification de l'autorité. J'ai dit, l'autorité c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? L'autorité, c'est une délégation de puissance. Donc c'est une délégation de puissance, c'est-à-dire que le droit des commandements ou de se faire obéir. Donc nous avons reçu par délégation la puissance de Jésus-Christ. Donc nous avons reçu le droit de nous faire obéir. D'accord? Nous avons reçu le droit de commander. D'accord? Donc la valeur de l'autorité repose sur la puissance de qui est derrière cette autorité. D'accord? Donc l'autorité que nous avons reçue, et sa valeur repose sur la personne qui nous a donné cette autorité. Et qui nous a donné cette autorité, bien aimé dans le Seigneur? L'autorité dont nous jouissons aujourd'hui nous vient de la part de Christ. C'est Christ qui nous a donné cette autorité. Donc cette autorité est tellement, et donc a tellement de la valeur parce que la personne qui nous les a données, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Nous ne chassons pas les démons au nom de notre papa. D'accord? Nous ne chassons pas le démon au nom de notre aide. Au nom de nos ancêtres, mais nous utilisons le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, et la puissance de Dieu en nous nous rend autorité. Alléluia. Donc nous avons l'autorité par la puissance de Dieu qui est en nous. Et hier je parlais de ce verset de la Bible où il était question dans le Marc chapitre 16, le verset 16 où Christ il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Et qu'est-ce qu'il dit en plus? Il dit, le miracle va accompagner ceux qui
auront cri à son nom. Elle dit, ils chasseront le démon. Donc, ils auront l'autorité de chasser le démon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que les démons, on ne prie pas le démon. Tu ne dois pas prier un démon en disant que non, démon, tu dois partir. La maladie, tu ne dois pas négocier avec la maladie pour supplier la maladie que moi, j'ai besoin de vivre longtemps sur la terre et toi, tu es venu dans mon corps, tu es en train de détruire ma destinée. S'il te plaît, est-ce que tu peux partir? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus nous a donné l'autorité de les chasser. C'est comme ça que je disais hier, je dis, il y a de prière. Dans la prière, il y a une partie où nous nous adressons à Dieu et c'est un moment qui est un peu calme. C'est un moment où nous avons la voix un peu basse, où nous louons Dieu, où nous adorons Dieu, où nous implorons sa miséricorde dans notre vie. Mais il y a un autre moment dans la prière, donc la partie combat spirituelle, là, où nous prenons la possession du territoire à laquelle nous sommes en train de vivre, où nous prenons possession de notre corps. Et ces moments-là, bien-aimés dans le Seigneur, on ne s'adresse pas à Dieu, mais on s'adresse maintenant à l'ennemi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chasser le démon. Pourquoi nous devons chasser le démon? Parce que nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu l'autorité. Je voudrais rassurer quelqu'un. Nous avons dit, nous avons reçu l'autorité. Et hier, je parlais de ce verset, Marc chapitre 13, le verset 34, où la Bible nous dit, il a donné son autorité à ses serviteurs. Donc, étant que serviteurs de Dieu, nous avons reçu l'autorité. D'accord? Et le verset que je prie aujourd'hui, c'était quoi? Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. C'est bien de recevoir l'autorité, mais il faut utiliser son autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, d'exercer son autorité. Comment nous allons l'exercer, bien-aimé dans le Seigneur? Avec notre langue. Alléluia. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment mangeront le fruit. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ne sois pas surpris demain, dans une année, quand tu vois l'apôtre Boulavi être compté parmi le premier homme de Dieu de sa génération. Non, c'est parce que je le déclare, c'est parce que je le crois. Je sais que Dieu a mis un potentiel inimaginable en moi. Et avec ce potentiel que Dieu m'a donné, donc je ne peux pas échouer. Donc, je ne suis pas un échec sur la terre. Je suis venu réussir sur la terre. Je suis venu marquer ma génération. Donc, après moi, il faut qu'il y ait des traces. Mes enfants, mes petits-enfants attendront par l'eau de moi. On leur dira que vous avez eu un père qui fit un serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tout cela, pourquoi? Parce que je reçus l'autorité de régner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pas seulement moi. Toi aussi, ma sœur, je voulais que tu réalises ces choses. L'autorité, Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné la domination, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous les a données. Dieu nous a donné l'autorité depuis le commencement. Depuis le commencement, ma sœur, Dieu nous a donné l'autorité. Alléluia. Dieu nous a créés pour dominer et pour régner sur le diable. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il plaça l'homme dans le jardin. Il dit à l'homme, cultive le jardin et garde le jardin. Il dit, je te donne le pouvoir de dominer. Alléluia. Donc nous avions été créés pour dominer. Nous avions été créés pour renverser. Alléluia. Nous avons été créés avec la domination et cela ne commence pas aujourd'hui. Le pouvoir, nous l'avons reçu. Alléluia. Depuis que Dieu nous a créés, la pensée de Dieu était que l'homme puisse le représenter sur la terre. Alors Dieu, il savait qu'en étant sur la terre, on allait rencontrer de l'opposition. Qui allait s'opposer à nous? C'était le diable. Qui était le diable? Cet archange qui habitait avec Dieu, créé par Dieu, et qui à cause de sa beauté, il s'est considéré comme égal à Dieu. Alléluia. Alors Dieu l'a dit, d'accord, je t'ai créé avec la magnificence, je t'ai créé, tu avais la beauté, tu avais tout ça, et cela t'a monté à la tête. Dieu l'a chassé de sa présence. Quand Dieu l'a chassé de sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'a chassé avec son autorité.
D'accord? Et Dieu a suscité une nouvelle créature. Cette fois-ci, pas comme les anges, pas comme les archanges, mais une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand le diable a vu l'homme pour la première fois, le diable était surpris de voir Dieu. Il dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est comme si j'étais en train de regarder Dieu. Alléluia. Et Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer et de régner. Alléluia. Donc la valeur de ton autorité, bien-aimé dans le Seigneur, repose sur la puissance de qui te donne cette autorité. Et l'autorité spirituelle que nous avions, c'est une autorité qui nous vient de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne cette autorité. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous sommes en train de parler de cette manière d'avoir l'autorité et de régner dans sa vie. La première des choses, je voulais dire, nous devons prendre la décision de régner. Alléluia. Tu dois prendre la décision de régner. Tu dois prendre la décision. Bien-aimé, tu as des natures. Donc, tu as la nature humaine et tu as la nature divine. D'accord? Donc, tu dois décider de vivre selon ta nature divine pour que tu puisses régner sur la terre. Et pour que tu règnes, bien aimé dans le Seigneur, tu dois prendre la décision. Donc, chacun de nous a le devoir de prendre la décision de régner. Il y a des gens qui vivent simplement selon la nature physique, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans la dimension spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à vivre selon ta nature spirituelle. C'est alors que tu verras que tu pourras régner. Donc pour régner, c'est une décision. Donc l'homme doit décider, je vais régner. Alléluia. Donc Job chapitre 22, le verset 28. Je dis encore Romains chapitre 6, le verset 14. Alléluia. Job chapitre 22, verset 28. Et je dis Romains chapitre 6, le verset 14. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu prends la décision. C'est une décision que tu vas prendre. Moi, je vais régner. Je vais régner sur cette maladie. Cette maladie doit s'arrêter. À partir d'aujourd'hui, moi, j'arrête avec le médicament. Et la maladie doit partir. Si ça marche chez les autres, pourquoi ça ne doit pas marcher chez moi? C'est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement pris l'autorité sur la maladie. Ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas la tension artérielle qui va décider, mais c'est moi qui décide. Parce que c'est moi qui suis le propriétaire de ces corps. Mon corps doit obéir au son de ma voix. Je dois régner sur mon corps. Je dois régner sur le cellule de mon corps, sur les organes de mon corps. Donc tu dois décider, bien aimé dans le Seigneur, de régner. Alléluia. Donc après avoir pris cette décision, bien aimé dans le Seigneur, donc la première des choses, je dis, est prendre la décision de régner. Et la deuxième des choses, il faut confesser votre autorité, cette décision que tu as prise là. Donc tu dois le confesser. La personne qui veut régner, bien aimé dans le Seigneur, doit confesser son autorité. C'est comme la foi. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 8. Je sais que parfois je suis toujours vite. Je vais essayer d'être encore, de ralentir encore. Donc voilà, Romains chapitre 10, le verset 8, la Bible nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » C'est croire, c'est bien, mais il faut aussi le confesser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois confesser ce que tu crois. Alléluia. Est-ce que tu crois que demain tu auras une grande église avec plus de 1000 membres ici en Belgique? Ok, je le crois. Comme je le crois, je le confesse. Même si les gens qui vont m'écouter aujourd'hui, ils vont me prendre comme un fou. Mais je vais leur donner rendez-vous dans 2 ans. Alléluia. Dans 2 ans, nous allons nous retrouver et nous allons voir ce que moi je confessais aujourd'hui. Donc c'est comme de la folie. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre. Ce que nous voyons aujourd'hui ne sont que le résultat de ce que nous avions confessé il y a 2 ans, il y a 10 ans. Mais ce que nous serons demain, c'est ce que nous sommes en train de confesser aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, attends-toi à ce que demain tu sois surpris de là où l'Éternel va amener l'apôtre pour la vie. Parce que je le confesse que je serai grand dans tout le domaine de ma vie. Alléluia. Je n'ai pas été créé pour accompagner les autres sur la terre. Non, Dieu m'a donné l'autorité, il m'a donné le pouvoir et j'ai décidé de régner. J'ai décidé de régner, bien aimé dans le Seigneur. Décide de te marier, décide de rentrer dans ta bénédiction. Cette année ne doit pas se terminer. Le panier sort-il encore? C'est à toi de prendre le panier, de saisir le panier.
Alléluia. Prends la décision et confesse la décision que tu as prise. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très important, de confesser la confession. La Bible déclare dans le livre de le verset que nous avions donné, c'est encore quoi? Oui, Proverbe chapitre 18, le verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu seras demain, c'est ce que tu déclares aujourd'hui. Ce que tes enfants seront demain. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le premier prophète de ta famille. Ton mari sait qu'il sera demain, ça se trouve dans ta langue. Déclare de bonnes paroles, dis de ces paroles, crois à ces paroles, et tu verras que ces paroles vont s'accomplir dans la destinée de tes enfants. Dis à ton enfant, toi tu seras marié. Dis à ton enfant, toi tu es belle. Dis à ton enfant, toi tu réussiras. Dis à ton enfant, tu es bien-aimé dans le Seigneur. Déclare de paroles. Tout ce que nous voyons a été fait par la parole, au-delà même de ce que nous pouvons voir. Dieu a créé qu'avec sa parole. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, prends la décision de régner, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, confesse ton autorité, d'accord? Donc quand quelque chose ne marche pas, bien aimé dans le Seigneur, arrête-toi et commence à confesser. Tantôt là, j'étais en train de dormir, à un moment, j'ai entendu mon épouse m'appeler pour me dire qu'elle avait reçu une vision où il y avait une attaque. J'ai compris que nous avions été visités. Qu'est-ce que je fais? Directement, je me suis levé de mon lit et j'ai commencé à parler à ces esprits-là. Je savais qu'ils étaient là. Je dis, je n'ai pas compris comment vous avez su rentrer dans ma chambre. Vous n'avez pas le droit. Ici, c'est l'ambassade de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans ces territoires. Même si j'avais prié, même si j'ai oublié de prier, je ne sais pas pourquoi vous pouvez rentrer jusque dans ma chambre. Même si vous êtes les esprits que j'ai chassés dans la vie du peuple de Dieu pendant la journée, vous n'avez pas le droit. Comme vous êtes rentré, vous n'allez pas sortir. Que le feu de Dieu vous consume maintenant. Celui qui a changé en serpent, tu vas mourir comme un serpent. Celui qui a changé en chien, tu vas mourir comme un chien. Je commence à déclarer ces paroles pendant la nuit. Je me suis levé, j'étais en colère. Je dis, Satan, tu ne peux pas venir perturber mon sommeil. Quand tu viens comme ça, je suis en colère. Alors les gens que tu as envoyés aujourd'hui vont mourir. Je commençais à invoquer le feu de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut exercer ton autorité. Il faut l'exercer. Alléluia. Il faut confesser ton autorité. Je dis quoi? Prends la décision de régner et confesse que tu règnes, c'est-à-dire confesse ton autorité. Et la troisième des choses, je voulais dire que tu dois réaliser que tu as un grand Dieu. Tu dois réaliser que tu as un grand Dieu. Celui qui est en nous, nous dit la Bible là. Oh my God. Celui qui est en nous, la Bible nous dit, est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Réalise que tu as un grand Dieu. Alléluia. Donc la maladie ne peut pas limiter ton Dieu. Le célibat ne peut pas limiter ton Dieu. Si dans ta famille, tous ne se marient pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, réalise que toi, tu ne fais plus partie de ta famille. Tu appartiens à la famille de Christ. Et Christ est plus grand que la sorcellerie de ta famille. Déclare-le que cette année ne se terminera pas. Moi, pour la vie, j'aurai un enfant. Alléluia. Qui a mis de limitations dans ta vie? Qui a décidé que toi, tu dois te limiter à des enfants? Et pourtant, tu es une femme qui aime avoir 7, 10. Qui a décidé? Qui a décidé? Alléluia. Qui a décidé que toi aussi, tu dois sortir du mariage comme les autres? Non, bien-aimé dans le Seigneur, aucun démon n'a le pouvoir sur toi. Alléluia. Réalise que tu as un grand Dieu. Tu dois réaliser que tu as un grand Dieu. Un plus grand Dieu que le Dieu de ton patron. Tu as un grand Dieu que ce païen-là qui est en train de compliquer ta vie. Est-ce que tu peux réaliser? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que comprend? Quelqu'un réalise? Nous sommes au troisième point. Et je dis le troisième point. Nous devons réaliser que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que toutes les circonstances. Alléluia. Je avance encore, je veux le dire. Le quatrième point, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois oublier les échecs du passé. Ah non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, tu dois oublier les échecs du passé. Je dis à quelqu'un, il y a une vie après le divorce.
Alléluia. Tu dois oublier les échecs du passé. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Alléluia. Tu dois affronter ta réalité. Aujourd'hui, tu es une très belle femme. Tu ne dois pas finir ta vie comme ça. Non, 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 non. Ce qui est passé est passé. Oublie les échecs du passé. C'est ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Tu dois oublier les échecs du passé. Je donne le verset 1 Jean chapitre 1, verset 9. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui te condamne? Qui te condamne? Ah non, moi je ne veux plus me marier parce que tout le monde savent et tout le monde sait que c'est moi qui ai été fautif dans cette relation-là. Alors quand les hommes viendront, ils attendront mon histoire et personne ne voudra, ne voudra bien m'épouser. Bien aimé dans le Seigneur, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est à cause de ton passé, parce que tu transportes avec toi ton passé. Aujourd'hui, tu dois apprendre à oublier ton passé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Alléluia. Qu'est-ce que je dis, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois oublier les échecs de ton passé. Hier n'existe plus. Alléluia. Donc, ne donnez pas du futur à ton passé. Je ne sais pas quelle phrase je voulais emprunter pour te dire, pour te faire comprendre que les erreurs du passé, ce qui est passé, est passé. Réalise que tu as encore de l'avenir. La Bible nous dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. La Bible déclare, mieux vaut un chien qui est en vie qu'un lion qui est déjà mort. Ne donne pas du futur à ton passé. Hier n'existe plus. Les erreurs du passé, c'est fini maintenant. Tu dois affronter la réalité de ta vie. Tu dois avancer avec Dieu. Alléluia. Et soyez prêts maintenant. Donc ça, j'étais au quatrième point. Cinquième point, bien aimé dans le Seigneur. Soyez prêts pour le combat. Soyez prêts pour le combat. Bien aimé dans le Seigneur, sois prêt pour le combat. Tu rencontreras de l'adversité dans ta vie. Et sois préparé déjà. Attends-toi déjà qu'il y aura du combat. Attends-toi qu'il y aura du combat dans ton mariage. Attends-toi qu'il y aura du combat dans ton fiançailles, dans le ministère. Je m'attends à ce qu'il y ait du combat. Je m'attends à ce qu'il y ait certaines personnes qui me quittent. Oh, même si je voudrais bien les garder avec moi, il y aura des gens qui vont quitter la Divine Alliance et qui vont partir. Mon problème, ce n'est pas avec ceux qui partent. Mon problème, avec ceux qui sont là. Ceux qui sont restés, je fais le tout pour que je sois un bon pasteur pour eux. Je me sacrifie, je m'instruis. Alléluia. Je me perfectionne de jour en jour. J'essaye de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être prêt pour le combat. Il n'y a aucun mariage qui n'est pas combattu. Il n'y a aucun travail qui n'est pas combattu. Il y aura toujours du combat, même si tu changes d'employé. Là où tu partiras, il y aura aussi du combat. Même si aujourd'hui tu deviens indépendant, il y aura du combat. Prépare-toi au combat, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Je dis, soyez prêts au combat. Éphésiens chapitre 10, verset 6, verset 10 à 12. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12. Paul dit aux Éphésiens, il dit, pour le reste, ce qui reste, c'est quoi? Vous devez vous fortifier dans le Seigneur. Parce qu'il y aura de mauvais jours. Mais dans ces mauvais jours, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un réalise, bien aimé dans le Seigneur? Nous sommes au cinquième point. Soyez prêts pour le combat. Soyez prêts. Tu dois être prêt à défendre tes enfants. Tu dois être prêt à défendre ton mari. Tu dois être prêt à défendre ton église. Tu dois être prêt à défendre Christ. Soyez prêt pour le combat, bien-aimés dans le Seigneur. Pour régner, nous devons être prêts à combattre. Si nous ne sommes pas prêts à combattre, nous ne pourrons pas régner. Nous ne pourrons pas exercer notre autorité. Alléluia. Et la sixième des choses, ça c'est capital, bien-aimé dans le Seigneur, pour quelqu'un qui veut régner, pour quelqu'un qui veut avancer. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de pardonner et de renoncer aux mensonges. Pardonner et renoncer aux mensonges. Pardonner ce qui t'ont fait du mal et renonce aux mensonges. Parce que quelqu'un qui parle que du mensonge n'aura pas de puissance dans sa langue. Tout ces questions de ce que tu es en train de déclarer. Et si tu es habitué au mensonge, même quand tu diras au diable, pars, le diable croira que tu es en train de mentir.
Arrête un peu avec le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends à dire la vérité. Alléluia. Apprends à dire la vérité. Je disais quoi? Le sixième point, nous devions apprendre à pardonner, pardonner et quoi? Arrêter avec le mensonge. Le diable est décrit comme étant le père du mensonge, celui qui ment ne pas de Dieu. Efforce-toi à dire la vérité, peu importe le prix. Quand on t'attrape, il faut accepter que tu as été attrapé. Quand tu as fait quelque chose de mal, tu peux dire, oui, je fais quelque chose de mal. Ça ne change à rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un point important. Tu dois apprendre à pardonner. Apprends à pardonner. Il y a des gens qui ont détruit leur vie simplement parce qu'ils n'ont pas su pardonner. Des victimes de viol, des victimes d'inceste. Ils ont passé toute une destinée à côté de la destinée prophétique. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient jamais appris à pardonner. Elles n'avaient jamais été enseignées à pardonner, à oublier le passé et à avancer, à renoncer au mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, le mensonge te détruit. Le mensonge te rend impuissant. Le mensonge fera en sorte que ta prière ne soit pas efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois pardonner le père de tes enfants. Il est déjà parti, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde la vie misérable qu'il est en train de mener. Et pourquoi tu dois avoir rancune à une telle personne? Celui qui est plus malheureux que toi. Regarde cette femme-là qui t'a fait du tort. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est devenir? Il y a même des gens qui sont déjà morts, mais toi tu les as gardés rancune. Pourquoi tu ne le pardonnes pas? Ce pauvre monsieur qui souffre, il est en train de déambuler à gauche, à droite. Il n'a même pas de futur. Et toi, tu le gardes en rancune. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pardonne. Alléluia. Pardonnez, bien-aimé dans le Seigneur. Le pardon est une puissance. Le pardon est un commandement. Le pardon est obligatoire. Dieu t'oblige à pardonner. Il dit, celui qui ne pardonne pas, je ne pourrai pas non plus le pardonner. Je parle de l'autorité du croyant, l'autorité spirituelle. Pour avoir l'autorité dans le domaine spirituel, tu dois être un homme qui sait pardonner. Alléluia. Et je dis encore que ce n'est pas simplement pardonner, mais je dis, tu pardonnes bien sûr, et aussi renoncer au mensonge. Renonce au mensonge. Éphésiens chapitre 4. Le verset 25 jusqu'au verset 27. Alléluia. Sixième point, Éphésiens chapitre 4, le verset 25 jusqu'au verset 27. Et la dernière point que je voulais aborder aujourd'hui, donc c'est un enseignement très riche. Je crois que si Dieu nous garde, et ceux qui viendront à l'église le dimanche, nous allons voir. C'est vrai que nous avons des activités avec la radio Pain du Soir, mais nous verrons comment est-ce que Dieu va nous aider à continuer cet enseignement. Alléluia. Et la dernière des choses, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, tu dois louer Dieu par la foi. Tu dois louer Dieu. Donc, quand tu dois apprendre à louer Dieu. Louer Dieu, c'est quoi? C'est dire merci à Dieu par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, par rapport aux réalisations de ton passé. Nous pouvons aussi le louer pour le présent. Nous pouvons aussi le louer pour le futur. La louange est très importante. Quelqu'un qui est véreigneux dans ce monde, il doit apprendre à louer Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, louer Dieu, louer Dieu. Éphésiens chapitre 4, 17 à 22. Hébreux chapitre 13, verset 15. Alléluia. Pour exercer ton autorité, mon ami, voilà les sept manières d'avoir l'autorité et de régner dans sa vie. Donc, les sept manières d'avoir de l'autorité et de régner dans sa vie. Ah, j'aime parce que je sais que maman Marcy va nous analyser toutes ces choses. Elle va nous l'écrire en ordre et chacun de nous pourra profiter de cet enseignement. Alléluia. Donc, prends la décision aujourd'hui de régner. Ça, c'est la première des choses. Confesse ton autorité. Réalise que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oublie les échecs du passé. Sois prêt pour le combat. Pardonner et renoncer au mensonge et apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu. Même si quand tu commences quelque chose, apprends déjà à louer Dieu pour la fin. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui.
Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Oh, que merci, 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 merci. Donc voilà, pardonner et renoncer au mensonge. Ça, c'est très bien. Donc voilà, donc nous devons pardonner et renoncer au mensonge. Donc tous les versets sont là, les sept manières d'avoir de l'autorité et de régner dans sa vie. Donc voilà, il y a notre sœur Marcy qui a écrit, il y a maman Nathalie Lotema, je vois maman Gladys aussi. Donc voilà, tout le monde bien-aimé dans le Seigneur. Et ces choses, c'est un enseignement riche. C'est pas simplement à écouter, c'est à appliquer. C'est un enseignement à appliquer. Il faut l'appliquer à partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il faut le mettre à partir d'aujourd'hui déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois appliquer ces principes et tu verras comment est-ce que ta vie va changer. Alléluia. Oh, nous voulons aujourd'hui, je voudrais amener quelqu'un à faire des déclarations prophétiques dans sa vie. Aujourd'hui, je voudrais attendre quelqu'un déclarer des paroles prophétiques. Alléluia, alléluia, merci Seigneur Jésus. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Élève ta voix et commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir celui qui t'a créé. Commence à bénir celui qui t'a tissé dans le profondeur de la terre. Oh, David a dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne tes iniquités, celui qui guérit tes maladies, celui qui délivre ta vie. Il a guéri tes maladies hier, il t'a guéri aujourd'hui encore, il t'est guéri. Et demain encore, il te guérira. Oh, alléluia, celui qui délivre ta vie de la fosse. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir le nom de Dieu? Lui dire merci parce qu'il t'a donné la vie. Lui dire merci parce qu'aujourd'hui, il a permis que tu sois dans pressé de l'aurore. Est-ce que tu peux bénir le nom de ton Créateur? Oh, j'entends quelqu'un qui élève le nom de Dieu. Ah, j'entends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu. Oh, de paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. Oh, alléluia. Commence à bénir le nom de ton Créateur. Le Dieu qui t'a réveillé ce matin. Élève sa voix, bien-aimé dans le Seigneur, et commence à les bénir. Nous sommes en train de bénir notre Dieu. Élève ta voix, ma sœur, et bénis le nom du Seigneur. Oh, bénis le nom du Seigneur, ma sœur. Oh, béni, béni le nom du Seigneur, mon frère. Alléluia. Nous inclinons nos têtes dans la présence de Dieu et nous sommes en train de le bénir. La Bible dit dans le psaume chapitre 100, rentrons dans ses portes avec de louanges. Dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour ta santé. Dis-lui merci pour la liberté que tu as, pour l'être et le mouvement. Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu? Est-ce que tu peux lui dire merci? Rentrons dans sa présence avec de louanges, arrêtons de nous lamenter, arrêtons de nous plaindre. Quand nous rentrons dans sa présence, Dieu attend à ce que nous puissions rentrer avec de louanges. Est-ce que tu peux louer le nom de Dieu, le Dieu qui t'a réveillé ce matin? Il y a ceux-là qui se sont endormis pour ne plus se réveiller, mais Dieu t'a donné la force de te réveiller ce matin. Élève ta voix, ma chère, là où tu es, et commence à bénir le nom de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Ah, j'attends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu. Ah, j'attends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu, ma sœur. Bénis le nom de Dieu. Dis-lui merci pour ta vie. Hein. Dis-lui merci pour ta santé. Hein. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Depuis le sang de ta mère jusqu'à aujourd'hui. Hein. Depuis les entrailles jusqu'en ce jour. Hein. Élève ta voix et commence à bénir le nom de Dieu. Ah, j'entends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu. Ah, j'entends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu. J'attends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu. Dis-lui merci pour tes enfants. Dis-lui merci pour ton fiancé. Dis-lui merci pour ta femme. Dis-lui merci pour tes études. Dis-lui merci pour la formation que tu as fait et que tu as fini. Dis-lui merci pour les opportunités qui se présentent devant toi. Dis-lui merci pour le porte qu'il ouvre devant toi. Le porte que l'ennemi essaye de fermer, Dieu le réouvre pour toi. Est-ce que tu peux réaliser la bonté de Dieu dans ta vie? Commence à bénir le nom du Seigneur. Ah, j'entends quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur. Ah, j'entends quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Est-ce que ce matin tu peux dire avec moi, je suis couvert par le sang de Jésus-Christ? Ah non, j'attends quelqu'un qui dit avec moi, je suis couvert par le sang de Jésus-Christ.
Oh, est-ce que tu peux le déclarer que tu es couvert par le sang de Jésus? Est-ce que tu peux déclarer que ta vie est cachée dans le sang de Jésus? Est-ce que tu peux déclarer que tu es invisible aux ennemis? Ceux qui viennent te chercher, ils ne te trouveront pas parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Ah, commence à déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es couvert par le sang de Jésus, que tes enfants sont cachés dans le sang de Jésus et que ta grossesse est cachée dans le sang de Jésus. Personne ne pourra toucher ta grossesse parce que cet enfant qui est dans ton sein est caché dans le sang de Jésus. Commence à déclarer ce parole que tu es couvert par le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit, cette nuit-là, je passerai, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise. Déclare-le maintenant que tu es couvert par le sang de Jésus. Je dis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer maintenant que tu es couvert dans le sang de Jésus. Ta santé est couverte par le sang de Jésus. Commence à les déclarer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma famille, nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Moi et mes enfants, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Est-ce que tu peux le déclarer? Déclare-le bien-aimé dans le Seigneur. Déclare la couverture spirituelle. Que ta vie est couverte spirituellement. C'est le sang de Jésus-Christ qui te couvre. L'ennemi ne pourra rien contre toi parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Le malheur ne peut rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. Tu es couvert par le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, le feu de mes ennemis ne me brûlera pas au nom de Jésus. Alléluia. Le feu de mes ennemis ne me brûlera pas au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Commence à déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, le feu de tes ennemis, le feu qu'ils ont animé dans ton ménage, le feu qu'ils ont animé dans ta famille, le feu qu'ils ont animé dans ton corps, ne te brûlera pas, ne te consumera pas. Déclare-le maintenant. Leur feu est en train d'être éteindre maintenant par le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Le feu de mes ennemis, le feu des sorciers, des agents maléfiques de ma famille ne me consumera pas. Commence à les déclarer maintenant. Déclare-le ce matin au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Le feu de mes ennemis ne me brûlera pas. Oh, le feu des démons, le feu des sorciers, des principautés, des pouvoirs, des autorités ne me brûlera pas, ne me consumera pas. Au nom de Jésus-Christ. Ah, j'entends quelqu'un qui déclare. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare-le maintenant que le feu de tes ennemis ne te brûlera pas. Commence à les déclarer maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Déclare-le maintenant. Le feu de tes ennemis ne brûlera pas la divine alliance. Vous pouvez allumer votre feu, mais ça ne fera rien contre la divine alliance. La divine alliance se montera. La divine alliance se montera. Isaiah Ministry montera. Ma femme ne mourra pas. Aucun feu de l'ennemi ne pourra détruire la destinée de mes enfants. Leurs cheveux sont comptés par Dieu. Je le déclare que le feu des ennemis de ma femme ne la consumera pas. Le feu des ennemis de mes enfants ne les consumeront pas. Je déclare en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée que le feu des démons de ma famille, de la famille de mon père, de la famille de ma mère ne me brûlera pas au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui déclare encore avec moi, le lion de mes ennemis ne me mangera pas. Ah non, j'entends quelqu'un qui dit, le lion de mes ennemis ne me mangera pas. Oh, je suis un lion. Moi-même, je suis un lion et un autre lion ne me mangera pas. Je suis le petit lionceau de la tribu de Juda et le lion de mes ennemis ne me mangera pas. Ma chair ne sera pas mangée par un sorcier. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Non, moi, je mourrai, mais je mourrai quand Dieu voudrait que je meure. Je ne serai pas manger comme une viande pour la sorcellerie. Non, je refuse. Le lion de mes ennemis ne me mangera pas. Oh, alléluia. Déclare-le maintenant. Oh, le lion que le diable a envoyé pour manger ta chair, ils ne te mangeront pas. Je dis, vous ne me mangerez pas. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer maintenant que le lion de tes ennemis ne te mangeront pas. Le lion de ta famille ne te mangeront pas. Le lion qui a mangé ton père, ils ne te mangeront pas. Le lion qui a mangé ta famille, ils ne te mangeront pas. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, j'entends quelqu'un qui déclare que le lion de mes ennemis ne me mangera pas. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux déclarer maintenant, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
Déclare-lui maintenant que je suis un arbre planté dans des courants d'eau. Je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Je suis un arbre planté dans le courant d'eau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à le déclarer maintenant. Je suis planté au bord de la rivière de Dieu, et je porterai des fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis planté dans le courant d'eau. Je suis planté au bord de la rivière de Dieu Tout-Puissant, et je porterai des fruits dans ma génération. Déclare-le maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe quelle plante. Tu n'es pas planté n'importe quelle dans n'importe quel terrain. Tu es planté dans le courant d'eau. Tu es planté au bord de la rivière. Et tu porteras des fruits. Tu auras des enfants. Il n'y aura pas de stérilité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, commence à les déclarer maintenant. Tes enfants, tu déclares la même chose. Tu déclares la même chose pour ton mari. Tu déclares la même chose pour ceux qui te sont chers. Commence à les déclarer maintenant. Au nom puissant de Jésus, je suis planté dans le courant d'eau. Je suis planté au bord de la rivière. Je suis planté, et moi pour la vie, je porterai des fruits dans ma génération. Je porterai des fruits dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un prie avec moi. Alléluia, alléluia. Oh, j'attends quelqu'un qui dit, moi et ma famille, nous sommes des signes et des prodiges dans ma génération. Alléluia. Déclare-le que toi et tes enfants, vous êtes des signes et des prodiges dans ta génération. Vous êtes des signes et des prodiges dans ta famille. Commence à les déclarer maintenant, au nom puissant de Jésus. Les gens n'auront pas à aller trop loin. Ils n'auront qu'à voir ta vie et témoigner que Dieu est avec toi. Parce qu'en toi, il y a des signes et il y a des prodiges. Toi et tes enfants, vous êtes des signes et des présages. Vous êtes des signes et des prodiges. Commence à les déclarer maintenant, au nom puissant de Jésus. Ah, nous sommes en train de déclarer. Ah, j'entends quelqu'un qui déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'ai dit, nous sommes dans des déclarations prophétiques. Commence à déclarer maintenant et que tu es un signe et tu es de prodige au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Nous allons prendre une autre déclaration. Nous allons encore déclarer, je ne serai pas victime. Je ne serai pas une victime. Alléluia. Dans le camp de bataille de la vie, dans le camp de la bataille de la vie, je ne serai pas une victime. Dans le camp de bataille de ma vie, dans le combat spirituel, je ne serai pas la victime. Au nom de Jésus-Christ, je ne tomberai pas dans le combat spirituel. J'en ne tomberai pas de la flèche de l'ennemi. Commence à les déclarer maintenant. Tu ne seras pas victime. Au nom de Jésus-Christ, dans la bataille de la vie, dans le bataille de la vie, tu ne seras pas victime. Commence à les déclarer maintenant. Au nom de Jésus, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui est en train de s'accomplir maintenant. Ce que tu déclares, c'est ce que tu seras demain. Commence à les déclarer maintenant que tu ne seras pas victime dans le bataille de la vie. Déclarez-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, hallelujah. Alléluia, alléluia, commence à les déclarer, tu ne seras pas victime. Oui, l'ennemi pourra lancer ses flèches, mais ça ne t'atteindra pas. Le bouclier de Dieu est sur toi. Les flèches de l'ennemi tomberont. Les flèches de l'ennemi seront brisées. Au nom de Jésus-Christ, sur ta tête, je vois, il y a les casques de Salia qui est en train de protéger ta tête. Les pensées sataniques sont en train d'être refoulées maintenant. L'ennemi ne pourra plus avoir accès à tes pensées. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, déclare-le que tu n'es pas victime dans le bataille de la vie. Tu n'es pas victime. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas victime de la maladie. Je ne serai pas victime de problèmes de ce monde. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'attends quelqu'un qui dit, ma tête sera toujours au-dessus de mes ennemis. Et que tu peux le déclarer, que ta tête sera toujours au-dessus de tes adversaires, que ta tête sera toujours au-dessus de tes ennemis. Déclare-le maintenant, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, David a dit, tu relèves ma tête, tu relèves ma tête. Ma tête sera toujours relevée au-dessus de mes ennemis, car Dieu est en train de relever ma tête. Commence à prier maintenant, déclare-le maintenant, que ta tête est au-dessus de tes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Déclare-le que ta tête est au-dessus de tes ennemis. Déclare-le maintenant. Ta tête est au-dessus des sorciers de ta famille. Ta tête est au-dessus de ceux qui combattent ta vie. Ta tête est au-dessus de ceux qui s'assemblent contre toi dans ta belle famille. Ta tête est au-dessus de, au nom puissant de Jésus. Ta tête est au-dessus de toute la puissance maléfique rassemblée contre ta destinée. Les dominations, les principautés, ils pourront s'assembler avec des hommes venir contre toi par un seul chemin. Ils viendront. La Bible déclare, par sept chemins, ils s'enfuiront. Parce que ta
ta tête sera toujours au-dessus de tes ennemis. C'est la parole de Dieu. Déclare-le et crois-le maintenant. Au nom de Jésus, j'attends quelqu'un qui dit, ma tête est au-dessus de mes ennemis. Ma tête est au-dessus de mes ennemis. La tête de ma femme est au-dessus de ses ennemis. La tête de mes enfants au-dessus de leurs ennemis. Déclare-le maintenant. Au nom puissant de Jésus, je suis la tête et non pas la queue. Je suis la tête et non pas la queue. Je suis la tête et non pas la queue. Ma tête est au-dessus de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'attends quelqu'un qui dit avec moi, ma main tient le cou de mes ennemis. Hein. Alléluia. Déclare-le maintenant. Déclare que ta main tient le cou de tes ennemis. Ta main est à le cou de tes ennemis. Hein. Déclare-le maintenant. Ma main tient le cou de mes ennemis. Hein. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Mes mains sont sur le cou de tes ennemis. C'est toi qui as le contrôle de tes ennemis. Ta main est sur leur cou. Hein. Tu peux le briser la tête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu, permets que ma main puisse tenir le cou de mes ennemis. Je déclare que ma main tient le cou de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, celui qui combat ma vie, hein, ma main est au-dessus de son cou. Hein. C'est moi qui décide sur mes ennemis. Hein. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, hein, en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, ma main est sur le cou de mes ennemis. Hein. Au nom de Jésus, commence à déclarer maintenant. Déclare que ta main est au-dessus du cou de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Hein. Alléluia, alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, j'écrase tous mes ennemis sur mes pieds. Hein. Alors, dis-lui maintenant, j'écrase tous mes ennemis hein, sous mes pieds au nom de Jésus. Hein. J'écrase tous mes ennemis sous mes pieds. Le geste compte, bien-aimé, dans le Seigneur. Pendant que je dis cela, tu es en train de bouger. Bouge tes pieds maintenant. Bouge tes pieds maintenant. Tes ennemis sont sous tes pieds. Hein. Au nom puissant de Jésus. Hein. Mes ennemis sont sous mes pieds. La maladie, tu es sous mes pieds. La sorcellerie, tu es sous mes pieds. L'envoûtement, hein, la malchance, vous êtes sous mes pieds. La malédiction, tu es sous mes pieds. Je déclare que tout est sous mes pieds maintenant. Au nom puissant de Jésus, je marche sur mes ennemis. Hein. Tous mes ennemis sont sous mes pieds. Mes ennemis spirituels, mes ennemis physiques, vous êtes sous mes pieds. Vous êtes sous mes pieds. Déclare-le maintenant. Nous sommes en train de déclarer, bien-aimé dans le Seigneur. Déclare que tes ennemis hein, sont sous tes pieds. Hein. Sida, tu es sous mes pieds. Cancer, tu es sous mes pieds. Hépatite, tu es sous mes pieds. Hypertension, tu es sous mes pieds. La pornographie, tu es sous mes pieds. L'impudicité, tu es sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, vous êtes sous mes pieds. Déclare-le maintenant. Quel est ce péché qui te combat? Bien-aimé dans le Seigneur, déclare-le. Aujourd'hui, il est sous tes pieds. La maladie que tu as, dis-lui que tu es sous mes pieds. Commence à déclarer maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui prie avec moi. Ah, j'entends quelqu'un qui est monté avec moi dans la prière. Nous sommes en train de monter maintenant. Sur une échelle de 10, nous sommes à 5. Nous sommes en train de monter. La Bible déclare, c'est à la montagne de l'Éternel qu'il y aura la délivrance. Et le peuple reprendra sa possession. Monte avec moi dans la montagne et tu vas reprendre ce que l'ennemi t'a volé. Ce que le puissant t'a arraché, tu vas les reprendre maintenant à travers cette déclaration prophétique. Déclare-le maintenant que tes ennemis sont sous tes pieds. Écrase-le maintenant. Écrase-le sous tes pieds. Écrase-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, j'entends quelqu'un qui dit, quand je parle, que la création m'écoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soleil, la lune, les étoiles, quand moi, pour la vie, je parle, vous devez m'écouter. Hein. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand je parle, que la nature m'écoute, que la nature m'obéit. Hein. Au nom de Jésus, déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis à dit soleil, arrête-toi à Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. Quand tu parles, il faut que le soleil s'arrête. Il faut que la nature t'écoute. Parle maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-le maintenant. Déclare-le maintenant. Est-ce que tu le crois? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui déclare. Ah, j'entends quelqu'un qui déclare. Attends, j'entends quelqu'un qui déclare. Quand tu parles, la création m'attendra. La création t'écoutera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi toute langue.
Oh, toute langue qui se lève contre moi, je le condamne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute langue qui se lève contre ma vie, contre mon mariage, contre la vie de mes enfants, je le condamne maintenant. Commence à condamner le langue maintenant. Le langue de tes ennemis, le langue de tes adversaires, le langue de ceux-là qui ont quitté l'église, qui parlent mal contre moi. Oh, dans des choses que je ne connais pas, même dans des choses que je connais, je vous condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute langue qui se lève contre ma vie, contre mon ministère, contre ma destinée, je le condamne maintenant. Vous ne réussirez pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne le langue qui parle mal de moi, le langue qui s'est élevé aujourd'hui, la nuit dans la réunion de démoniaques contre ma destinée, qui ont arrêté une journée pour ma mort. Je condamne votre langue au nom puissant de Jésus-Christ. Les démons de ma famille, les démons de ma belle famille, les démons de démons que je chasse dans l'église, vous vous êtes rassemblés pour comploter contre ma destinée. Je déclare que votre langue soit maudite au nom de Jésus-Christ. Je condamne toute langue qui se lève contre moi, qui déclare que je dois être malade, qui déclare que moi je dois tomber dans l'impudicité. Je vous condamne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Toute langue qui se lève contre moi, qui se lève en jugement contre moi, je le condamne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je ne vivrai pas selon les normes des démons. Non, je ne vivrai pas selon les normes des hommes. Je ne vivrai pas selon les normes de mes ennemis. Je vivrai selon le plan parfait de Dieu. Car sur la terre, je suis venu accomplir ma destinée prophétique. Déclare-le maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne vivras pas sur les normes des hommes. Déclare-le maintenant que tu ne vivras pas sur les normes de tes ennemis. Tu ne vivras pas selon ce qu'ils ont établi comme normes. Tu vivras selon les normes de Dieu. Commence à les déclarer maintenant au nom puissant de Jésus. Je vivrai au standard de Dieu. Je vivrai au standard de Dieu. Je vivrai aux normes de Dieu. Au nom puissant. Oh, j'entends quelqu'un qui déclare. Je disais, aujourd'hui, nous sommes dans des déclarations prophétiques, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de déclarer. J'entends quelqu'un qui déclare au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Déclare-le maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Rien ne pourra me limiter. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, rien ne pourra me limiter. Non, même pas mon genre, même pas ma couleur de peau. Oh, même pas ma nationalité. Rien ne pourra me limiter. Dans tous les domaines de ma vie, je brise les limitations et je dis que rien ne pourra me limiter. Rien ne pourra me limiter. Rien ne pourra me limiter. Déclare-les, bien-aimés dans le Seigneur. Ton genre, ta couleur de peau, ta langue, le manque de connaissances que tu as dans certains domaines, ça ne doit pas te limiter. Non, rien ne doit te limiter. Tu ne peux pas rater ce mariage à cause de ta peau, à cause de ton manque de connaissances. Non, bien-aimés dans le Seigneur, rien n'a le pouvoir de me limiter. Que toutes les limites que l'ennemi a placées dans ma vie soient ôtées maintenant et jetées dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, que toute limite diabolique placée au devant de mon ministère soit ôtée et jetée dans le lieu aride. Rien ne pourra me limiter. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je suis au standard de Dieu. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, est-ce que tu peux le déclarer maintenant? Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, ah, nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il a écouté notre prière. Ah, j'entends une voix qui se lève devant Dieu. Oh, j'entends quelqu'un qui déclare merci Seigneur. Ah, j'entends quelqu'un qui dit merci à Dieu. Ah, j'entends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu. Oh, ce matin, nous sommes en train de bénir celui qui nous a donné le pouvoir, celui qui nous a donné le règne. Est-ce que nous pouvons lui dire merci pour la journée d'aujourd'hui, cette bonne journée que Dieu nous a donnée, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Dis merci à Dieu pour ta journée. Dis-lui merci pour ta journée. Cette journée est bonne pour toi. Cette journée est à planifier. Cette journée a été déjà planifiée par Dieu. Tu ne feras qu'accomplir ce que Dieu avait prévu pour toi au cours de cette journée. Tu seras au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes circonstances. Merci, merci pour ma journée. Oh, je déclare que cette journée est bonne pour moi. Au nom puissant de Jésus, je serai au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes circonstances. Merci pour ma vie. Hein. Merci pour ma santé. Merci pour ma journée. Merci pour tout. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime l'Éternel car il attend ma voix.
Il a penché son oreille vers moi et je le vois que toute ma vie. Alléluia. Oh, j'aime l'Éternel car il attend ma voix. Il a penché son oreille vers moi et je le vois que toute ma vie. Je l'assurance, il est le Dieu qui répond à la prière de son peuple. Alléluia. Et David a dit, tous les hommes viendront vers toi parce que tu réponds. Tu n'écoutes pas simplement la prière, mais tu réponds à la prière. Et la joie de la prière, c'est l'exorcement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes passés par. Vous savez, il y a des moments où vous devez prier. Il y a des moments où vous devez faire la repentance. Mais il y a des moments où vous devez que déclarer des paroles qui doivent arriver. Parce que Dieu a déclaré et les choses se sont accomplies. Toi aussi, tu as la puissance dans ta langue. Comme aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas demandé pardon. Nous sommes dans le jeûne. Comment nous avons péché? Alléluia. Nous devons parfois arriver comme David dans la présence de Dieu. Tu dis à Dieu, sonde-moi et connais mes pensées, regarde-moi. Est-ce que je suis dans une mauvaise voie? Conduis-moi dans l'éternité. Donc, lui-même, il est conscient. Il est dit, non. Je suis bien envers Dieu. Je suis bien envers Dieu. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. C'est ce que David a dit. D'accord? Alléluia. Donc tout le temps, nous ne devons pas passer par la repentance, sinon il y a des moments où nous sommes dans la présence de Dieu et nous savons que nous sommes bien, parce que hier nous étions en gêne. Nous sommes en train de regarder nos pensées et nous savons que nos pensées sont alignées avec Dieu. Alors pourquoi faire la repentance? Donc nous sommes là pour déclarer et ce que nous déclarons, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'assurance que Christ nous a écoutés. Alléluia. Tes déclarations, ce que tu as fait là comme déclaration, bien-aimé dans le Seigneur, continue à le faire encore. La vidéo reste disponible. La vidéo est là. Tu peux encore revenir, même à midi, même le soir. Tu peux partager cette vidéo. Envoie-les à tes frères. Dis-les d'écouter la vidéo. Dis-les d'écouter l'enseignement et de passer ce temps de prière ensemble avec nous. Que cette déclaration devienne l'air quotidien. Déclare ces paroles chaque jour. Prends un temps de déclarer ces paroles. Que le lion de mes ennemis ne me tuera pas. Je suis au-dessus de mes ennemis. Et ma main tient le cou de mes ennemis. Je marche sur mes adversaires. Ils sont sous mes pieds. La maladie, tu ne peux rien contre moi. Le démon, vous ne pouvez rien contre moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à déclarer des choses prophétiques. Et ce sont ces choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de coupé, il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de flèche. Aujourd'hui, c'est nous qui avons créé un monde spirituel dans lequel nous sommes en train de vivre, dans lequel nous devons vivre, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà, donc c'est votre frère, l'apôtre Bolavi Isao, le mari et l'époux d'une seule femme sans l'intention de divorcer. Le mari à son époux, le papa de tous, le papa d'Archange, le papa d'Adonai, le papa d'Azaria, le papa d'Asnat. Aujourd'hui, nous sommes dans notre quatrième jour de jeûne. D'accord? Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas briser les jeûnes. Il ne faut pas abandonner, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons aller jusqu'au bout de ces jeûnes. N'abandonne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu travailles, je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas abandonner. Mon ami, mon frère Rondal m'a dit, apôtre, c'est la première fois que je jeûne. J'ai dit, papa, il faut jeûner. Continue dans ces jeûnes-là, n'abandonne pas. Je sais que tu travailles, mais jeûne. Moi aussi, il y a une période où j'étais basketteur. Pendant la compétition, j'étais en jeûne. Je jouais des matchs pendant que j'étais en jeûne. Mais Dieu me fortifiait, il me donnait la force. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux jeûner, tu peux travailler et jeûner. Dieu te donnera la force. Tu ne vas pas mourir à cause d'une privation de nourriture pendant 6 heures. Non, ça ne va pas te tuer. Alléluia. Tu as besoin de ces jeûnes. Toi qui n'as pas encore commencé, commence aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous sommes en jeûne et aujourd'hui, nous avons un grand rendez-vous parce que j'ai conduit les gens aux eaux du baptême, comme il fera beau. Donc, je vais conduire le peuple de Dieu aux eaux du baptême. Nous avons rendez-vous à 12h30 à l'église. Donc là, nous allons prendre la direction d'Ostende pour aller baptiser. Donc, le rendez-vous, et c'est à 12h à l'église. Donc, voilà. Donc, et puis, le soir, nous avons un autre rendez-vous avec la radio Pain du Soir. Donc, nous avons la grande veillée avec la radio Pain du Soir où nous serons avec tous les autres serviteurs de Dieu avec qui nous collaborons. La radio Pain du Soir. Que Dieu vous bénisse. Donc le rendez-vous sont là. Et demain encore, nous avons un programme avec Pain du Soir. Et les dimanches, on se donne rendez-vous
dans notre église à la Divine Alliance, là où le rêve se concrétise et le vie se transforme. Le Dieu de l'apôtre Bolavi vous bénisse. Merci à vous. Merci, merci, merci. Et une très bonne journée. Et continue à partager la vidéo. Toi qui n'as pas encore partagé la vidéo, partage cette vidéo. Que quelqu'un d'autre puisse être béni. Que quelqu'un d'autre puisse prier avec nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à lundi pour le genre de précéder l'aurore, à dimanche pour ceux qui me suivent sur la radio Pain du Soir et sur le Facebook Live de Isa au ministre ou encore de l'apôtre Bolavi. Je vous aime et je vous laisse entre les mains du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Merci, merci. Je n'ai pas oublié que la semaine prochaine aussi, nous avons une activité avec Pasteur Honorine, mais je crois que la semaine prochaine, elle-même sera là dans Précéder l'Aurore et elle pourra parler de cette activité, elle pourra nous donner déjà l'avant-goût de ce qui sera le 3 journées à Liège. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous et au revoir.